Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui aura lieu le 3 mai. En fait, c'est chaque 3 mai de chaque année. Et ce 3 mai 2018, elle sera célébrée notamment par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et ses partenaires. Ensemble, ils organisent un 5 à 7 pour témoigner de l'importance du travail des journalistes et de souligner l'indépendance des médias. Donc au menu, plein de surprises, c'est ce qu'ils disent, des rencontres surprises. Pour toute information, vous allez sur le site internet de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. L'événement se tiendra à l'Écomusée du Fiermonde au 2050 rue Amherst à Montréal, donc le 3 mai dès 17h30. Donc vous devez réserver vos billets en ligne sur le site de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Puis avoir l'information complète sur la programmation. Donc voilà pour le 3 mai. Je vais vous parler maintenant des tout petits avec le festival Petit Bonheur. Donc du 4 au 3 mai aura lieu le festival Petit Bonheur à Laval. Ce festival est décrit comme le rendez-vous culturel des tout petits. Il est organisé partout au Québec. C'est une initiative de Petit Bonheur, donc l'organisme qui est un organisme à but non lucratif qui diffuse et met en valeur des spectacles de qualité ainsi que des ateliers d'expérimentation artistique qui sont destinées aux 0 à 6 ans. Donc l'organisme partage ses valeurs à travers son réseau constitué de villes, régions et de plusieurs arrondissements. Celui de Laval est donc une présentation de la ville de Laval avec le Conseil des arts et des lettres du Québec et Patrimoine Canada. Donc cette 9e édition qui signe en même temps le retour de cet événement à Laval aura lieu à la Maison des Arts, mais aussi dans les bibliothèques municipales et dans certains centres communautaires. Au programme, alors, beaucoup d'activités, entre autres du théâtre de marionnettes, du cinéma en pyjama, de l'initiation au théâtre d'ombre, des ateliers de danse afro-contemporain, maman-bébé, c'est assez intriguant, de la lecture, des activités en partenariat avec le Cosmodôme aussi. Bref, du vrai bonheur pour stimuler et piquer la curiosité des tout-petits et donc les éveiller encore plus. Donc, pour toute information, petitbonheur.ca ou sur le site de la Maison des Arts de Laval. Très rapidement, je vais vous parler de quelque chose de très important. C'est le lancement de la gamme de produits cosmétiques de Admirable Cosmétiques. Donc, ça, c'est le nom de la marque. Admirable Cosmétiques va lancer sa gamme de produits le 5 mai à 19h30 à la salle de réception Lycée Branché à Montréal. C'est particulier pour nous parce que Admirable Cosmétiques nous maquille. Donc, si on a l'air réveillé et super bien présentable, c'est grâce à Marie-Vincent Kachingou qui a mis en place, qui a créé cette marque de cosmétiques. Donc, son événement aura lieu le 5 mai à Montréal à 19h30. Vous êtes invités à aller découvrir cette belle marque de cosmétiques par cette jeune entrepreneure.